Le jour de l'épreuve arrive et comment bien s'organiser? Le premier point, un point important, c'est la gestion du temps. Je vous conseille vivement d'avoir une montre et si possible une montre avec des aiguilles pour mieux matérialiser les durées et de poser cette montre sur votre table pendant que vous composez pour voir simplement où vous en êtes. Je mets en garde là aussi par rapport au téléphone portable. L'année dernière, j'ai surveillé dans une salle, dans un lycée pour le bac, juste à côté de ma salle. Le surveillant de salle a été obligé de noter au procès-verbal qu'un élève avait regardé son téléphone portable alors qu'il était en train d'écrire. Et l'élève a soutenu que c'était juste pour voir l'heure, sauf qu'on ne fait pas la différence. Le téléphone portable doit être éteint, dans le sac posé sous le tableau. Donc ne comptez surtout pas là-dessus pour savoir où vous en êtes du point de vue du temps durant l'épreuve. Alors la gestion du temps. Par exemple, cela consiste à voir à partir de quand vous avez passé la moitié de la durée de l'épreuve, de façon à vous poser la question, est-ce que j'ai réalisé la moitié de mon travail? Est-ce que j'ai répondu à la moitié des questions? Est-ce que j'en suis à la moitié de ma dissertation? Etc. Pour pouvoir, s'il le faut, accélérer un petit peu le rythme ou pour vous mettre en confiance. Sur là où vous en êtes par rapport au temps. Il s'agit aussi de vous garder les 10 dernières minutes pour bien vous relire. Hein, de nombreux candidats perdent des points en se disant que c'est en rajoutant le plus possible qu'ils vont en gagner. Et du coup, ils font un certain nombre de fautes qui passent mal au bac, qui passent mal à leur niveau, et ils perdent plutôt des points. Gardez-vous les 10 dernières minutes pour vous relire.